Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddygo la 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, je vais vous montrer deux choses, c'est-à-dire comment supprimer des espaces dans des cellules et comment compter le nombre de caractères. Et c'est après ça. Donc ici, je vais taper, par exemple, des mois. Ici, je vais mettre une première vérification. Je vais appeler vérif 1. Encore des mois. Et ici, vérification 2. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais taper janvier et comme il s'agit d'une liste qui est déjà existante, il suffit de se mettre en bas à droite et de voir le plus pour cliquer avec le bouton gauche et étendre la sélection jusqu'à décembre. Là, normalement, vous n'avez aucun espace après le mois de janvier. Et d'ailleurs, nous allons le vérifier tout de suite ici en comptant donc le nombre de caractères. Donc pour compter le nombre de caractères, vous avez le choix soit de taper la formule ici, soit d'aller les rechercher dans formule. Et puis, vous avez ici beaucoup de catégories. Je vais vous les montrer. Vous avez récente, c'est-à-dire celle que vous avez utilisée récemment. Vous avez financier. Vous avez logique. Vous avez texte. Et ce qui nous intéresse, c'est les fonctions de texte. Mais vous voyez que vous avez d'autres fonctions, les fonctions date et heure, recherche et référence, maths et trigonométrie et encore plus de fonctions. Donc nous, on va faire appel à la fonction nbcar qui va nous permettre de compter le nombre de caractères dans une chaîne de texte. Et vous voyez que cette fonction renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte. Nous allons rechercher ici dans texte la chaîne de caractères existante, c'est-à-dire en A2. Il nous est renvoyé 7. En effet, janvier contient 7 caractères. Je clique sur OK. Puis, de la même manière que tout à l'heure, j'étends la sélection par le biais d'un clic gauche maintenu sur le signe plus apparaissant en bas à droite de la cellule. Et j'obtiens le nombre de caractères de la liste que j'ai tapée dans la colonne A. Maintenant, si je me mets ici et que je tape janvier, et que je mets un espace, quand je le tape, je le vois, puisque je vois le curseur de la souris qui apparaît après l'espace, mais si je me mets là, je ne le vois pas. Je vais donc ici taper février, et je vais taper deux espaces. Je vais taper mars, je vais marquer trois espaces, avril, je vais marquer un espace, et pour le reste, je continue. Pour juin, je continue, et je vais taper juillet, et là, vous voyez en grisé la liste qui apparaît
puisque c'est une liste existante. Il suffit de cliquer une fois et la liste apparaît. Maintenant, je vais retourner dans Vérif 2, en cellule D2, et faire appel à la même formule de texte, NBCAR. Cette fois-ci, je vais sélectionner C2. J'ai 8 caractères, car en effet, si vous avez bien suivi, j'ai tapé un espace après janvier. Je vais cliquer sur OK pour valider et je vais étendre la sélection de la même manière que tout à l'heure. Et ainsi, vous allez voir qu'ici, il y a un souci puisque nous avons des nombres de caractères qui ne correspondent pas aux caractères du mois. C'est-à-dire janvier comprend 7 caractères, février 7 caractères, etc. Comment remédier à ça et compter donc les espaces et les supprimer avec une fonction? Eh bien, ici, je vais taper supprimer les espaces et je vais faire appel à une autre fonction qui est également une fonction de texte en allant la rechercher ici. Texte supr-espace. Et cette fonction, comme vous le voyez, supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères, sauf les espaces simples entre les mots. Donc, ici, on va supprimer tous les espaces inutiles, qui ne servent donc à rien. Dans texte, nous allons choisir ici la cellule C2, et donc, on obtiendra un résultat que l'on ne voit pas pour le moment, mais on va cliquer sur OK. Je vais donc étendre la sélection et je vais faire une troisième vérification pour vous montrer que cela fonctionne. Donc, on se met ici. On va faire de nouveau appel à la fonction NBCAR, soit en la tapant et en allant la rechercher ici, double clic. Là, une parenthèse s'ouvre. Vous mettez donc la première cellule en appuyant dessus avec le clic gauche. Vous fermez la parenthèse et vous validez. Et là, vous obtenez donc un nombre différent qui est identique au début. Et vous avez donc vérifié ici que dans toutes les cellules, les espaces ont été supprimés. Vous savez donc supprimer les espaces et compter les nombres de caractères dans les cellules d'une feuille de calcul d'un classeur sur Excel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.